M'attends. Le temps presse, je vais au boulot. Au revoir, papa. Au revoir. Meilleur à toi, tu gardes bien la maison. Hein? Tu gardes bien la maison. J'ai confiance en toi, tu as compris? Ok, je vais appeler tout à l'heure. Chérie, je t'aime beaucoup. Moi aussi. Tu gardes bien la maison. Merci. Ok. Bonne journée. Tu prends bien soin de toi, bébé. Toi, autant, je t'appelle. Ah, coucou. Allô, Coco. Bonsoir. J'ai un petit souci là. Depuis le matin que mon mari est allé au travail jusqu'à présent, il n'est pas encore rentré, il est déjà 23h. Non, mais est-ce que tu as essayé de joindre un de ses amis ou je sais pas? Ah, comme il se fait déjà tard là, tu ne peux pas gêner les gens maintenant avec les appels. Demain, je le ferai. Ok, demain, tu pourras aller même à son bureau. Ok, c'est une autre idée. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Merci. Bébé, c'est qui? C'est ta femme. Ah, quelle est celle là-bas? Elle dérange. Chérie, je t'aime. Tu me plais beaucoup. Je préfère même être avec toi. Quand tu es ici, tu me dis, je te plais. Dès que tu vas partir, tu vas m'oublier. Non, je ne peux pas te le dire. Je te défends le matin. Allô? Allô? Bonjour Coco. Oui, bonjour Céleste. Je viens aux nouvelles. Ah, c'est toujours comme je t'ai dit la nuit. Donc jusqu'à présent, tu n'as pas trouvé ton mari? Non, non, je suis en train de m'apprêter pour aller dans son bureau là. Tu es à la maison? Oui. Ok. Chérie. Mais qu'est-ce que tu fais au téléphone depuis? Je t'attends, viens. Qu'est-ce que tu fais au téléphone? Tu m'imagines même pas avec qui je viens de parler. Tu viens de parler avec qui? Mais devine. Bon, je sais pas avec qui tu viens de parler, mais tu n'as qu'à me dire. Avec ton épouse. Mon épouse? Oui. Ta copine? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est à ta recherche depuis. Elle arrive ici? Je sais pas. Elle ne me l'a pas dit. Viens d'abord chez lui, Stéphane. Viens d'abord. Maman, il y a un bon papa.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu m'as dit l'autre jour qu'il est rentré du travail tard quand je dors déjà. Et il ressort tôt le matin quand tu dors encore. Ça fait 2 jours qu'il n'est pas venu. Et j'ai attendu ce que tu as dit à ta copine. C'est l'affaire des grandes personnes. Va changer tes chaussures. On va aller mettre le sèche chez maman Coco. Je suis chez maman Coco. Hein. Non. J'arrive. Non. J'arrive au bureau de papa. Non, non. Bien se ferme, ferme le portail. Hein? Chérie, je me sens très à l'aise avec toi. Ah, tu ne peux pas imaginer. Tu es très belle. Oh, ton look, si. Oh, je me flatte. Attends, qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, c'est sûr que ma tante est allée appeler ta copine. S'il te plaît, attends. Donne-moi les invitations qui demandent très rapidement. Donne-moi d'abord le pantalon, s'il te plaît. Ton papa. Oui, maman. Allons. Bébé, pourquoi tu es si nerveuse? Il y a un problème? Tu fais quoi là? Faire quoi comment? Tu fais quoi ici? Mais je suis sortie du boulot et je suis arrêtée ici pour saluer ta copine. Ce n'est pas ta copine? Tu sors du boulot et depuis 2 jours, tu n'es pas à la maison. Ton téléphone ne passe pas. Tu sors du boulot, premièrement tu passes chez ma copine. Mon bébé, mon téléphone est éteint. Je suis allé en mission sans le savoir, sans être avisé. Il n'y a pas l'électricité là-bas. J'ai un souci, je me suis arrêté ici juste pour saluer ta copine et arriver à la maison. Qu'est-ce que tu peux bien imaginer? Tu mens. Tu n'étais pas avec le taxi. Arrête, Nathan. Tu es en panne. Arrête, Nathan. Je te connais pas, menteur. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'en paye comment? Le jour où je suis allé pour aller au boulot, j'étais comme ça, non? Parce que mon sac, c'est pas mon sac. Tu connais pas ta tante ici? Bébé. Stop. Regarde ton message. Bébé,
La dernière fois qu'on a fait l'amour, c'était bon. J'étais aux anges. C'est toi qui as écrit. C'est toi qui as écrit. Bébé, la dernière fois qu'on a fait l'amour, c'était bon. Et j'étais aux anges. C'est moi qui ai écrit. C'est mon téléphone. Est-ce que c'est mon téléphone? Ça, c'est pas ton téléphone. Je ne connais pas ton téléphone. Une femme ne connaît pas le téléphone de son mari. Et toi, ma copine, à qui je me confiais, je n'aurais même jamais pensé ça de toi. Regarde, avec ce que Nathan a vu, avec ce que Nathan a vu, c'est mon bébé ou bien c'est ton bébé? Ce matin, tu m'as appelé pour me demander si j'avais les nouvelles de mon mari, alors qu'il était avec toi. Ma copine, tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Je n'aurais jamais pensé cela de toi. Vraiment, que ce soit la dernière fois. Que nos chemins ne se croisent plus jamais. Je dis bien jamais. Tu vois mon ombre esquive. Je dis bien esquive. Bébé, allons. Nathan, bébé. Et toi, tu peux avoir avec le sac. Couche-toi là une fois et tu continues ce que tu as commencé. C'est pas ça, ma chérie. Comprends-moi, s'il te plaît. Soit la dernière fois. S'il te plaît, comprends-moi. Je dis la dernière fois. Tu as compris, non? Elle est infidèle, comme ça, irresponsable. Nathan, bébé. Jusqu'à tu dis que tu ne me connais pas. Tu lui dis que tu ne fais pas l'amour avec moi. Tu me ridiculises devant ta femme. Dans une situation comme celle-ci, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis moi aussi une femme, mais après tout, je suis moi aussi une femme. Il faut arrêter ça. Si tu aimes trop ta femme, n'est-ce pas? Porte ton sac, celui-là. Je ne veux plus te voir ici. Vous me laissez où maintenant, chérie? Mon espoir que j'ai porté sur toi. Toi, tu me chasses et m'a chassé. Qu'est-ce qu'il faut que je... S'il te plaît. Tu m'as renié devant ta femme. Sors d'ici.